C'est à Oyem, dans le canton Hellelem, que la Tropicale a posé ses valises pour cette troisième étape. Les coureurs savourent le calme encore apparent de ce début de matinée. L'on prend des forces et pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un petit déj de cycliste, c'est ça. Entre-temps, les professionnels se posent sur le tarmac de l'aéroport d'Oyem, dont l'érythréen Nathanaël Béran de Europcar, qui est ici compté par son compatriote Meron Roussom de MTN Kubeka. C'est un très très bon coureur et c'est une très bonne chose pour nous et surtout pour l'équipe nationale. Avoir un professionnel est une excellente opportunité pour l'équipe nationale de prendre des points et d'avoir un champion comme lui. Après une excursion à Ebolova, puis à Yaoundé au Cameroun, voilà que la Tropicale revient ici dans le grand nord du Gabon pour cette troisième étape Oyem Bitam avec de nombreux lycéens et collégiens qui sont venus regarder ce départ. C'est devant un jeune public chauffé à bloc que cette troisième étape a pris le départ. Avant de prendre la direction de Bitam, les coureurs ont à parcourir dans la ville une boucle à 4 reprises. Cela semble simple comme ça, mais dans le vélo, les choses ne se passent pas toujours comme prévu. Tout de suite, les Marocains attaquent et Saïd Albelouach travaille peut-être déjà pour son partenaire Soufiane Hadi, troisième au général à 5 secondes du leader. Mais derrière, dur, chute collective dans le peloton, dont les Gabonais Léris Moukani et Frédéric Obiang. Tous les coureurs réussissent à partir, tant bien que mal. Mais du côté du Gabon, ça vire au drame. Frédéric Obiang serait sur le point d'abandonner. Plie. Qui c'est que ça vous fait très oui, mal. Ça va partir en pédalant. Non, il n'abandonne pas. Encouragé par les siens, car originaire de Yem, Frédéric Obiang se fait violence et repart. Mais souffrant trop, le Gabonais pose le pied à terre, c'est l'abandon. Devant, 16 coureurs ont pris la poudre d'escampette, dont 9 Africains. Et le maillot jaune est bien placé dans ce groupe de tête. Derrière, le peloton va aller jusqu'à accuser un retard de 4 minutes sur le groupe de tête, ce qui n'est pas du goût de Cédric Chouta. Le Gabonais attaque et sort du peloton. En vain. Mais l'écart commence à se réduire entre les deux groupes. À 25 km de l'arrivée, le peloton mené par MTN Kubeka et le Maroc est à 2 minutes 10 des échappés. Au dernier classement de la montagne, Merawi Koudous, 6e au général, franchit le premier la ligne. L'écart continue de fondre entre le peloton et les échappés, malgré les efforts des professionnels européens. À quelques mètres de l'arrivée, c'est Geert Dox qui est en tête. Le jeune coureur belge de 24 ans remporte tranquillement cette étape. C'est ma première victoire en tant que professionnel. Je suis vraiment très très heureux de courir avec de très bons coureurs. Le maillot jaune ne change pas. Il reste sur les épaules de Andrea Francesco Palini. Au classement général, le Marocain Soufiane Hadi gagne une place. Il est deuxième à seulement 3 secondes du leader. Voilà, fin de cette troisième étape Oyem Bitam. Une étape qui aura causé énormément de dégâts aujourd'hui, surtout dans le camp gabonais. Espérons que demain sera une meilleure journée. En tout cas, la suite des aventures de la Tropicale Amissa Bongo, ça continue sur tv5monde.com. On se retrouve demain. Salut !